Harry au couronnement de Charles III. William ne lâchera rien. Une question brûle les lèvres. Le prince Harry sera-t-il au couronnement de son père Charles III le 6 mai prochain à Londres? Point. Si le duc de Sussex semble vouloir imposer ses conditions, son frère, le prince William, avec qui il est brouillé depuis plusieurs années, pourrait également faire part de ses nombreuses exigences. La guerre entre les princes William et Harry est loin d'être terminée. Après son grand déballage dans ses mémoires intitulées Spare, et ses nombreuses révélations explosives sur son aîné, le prince William, les deux frères sont plus que jamais en froid. Et si Charles III semble encore être en mesure de pardonner à son fils cadet, et l'inviter à son couronnement le 6 mai prochain en l'abbaye de Westminster, le prince William devrait imposer certaines conditions à cette venue. L'héritier du trône craint surtout que les Sussex n'utilisent leur présence au couronnement à leur profit. Afin de limiter cette possibilité, le prince de Galles souhaiterait que le séjour de son frère soit cadré, voire scénarisé par le palais, expliquent nos confrères de Point de vue. Mais ces retrouvailles s'apparentent déjà à un véritable casse-tête. Couronnement de Charles III. Le prince Harry impose aussi ses conditions. D'autant plus que le prince Harry a lui-même imposé ses conditions. Le duc de Sussex, qui a affirmé lors de la promotion de ses mémoires, que la balle était dans le camp des Windsor concernant sa venue ou non au couronnement, a exigé des excuses. Le prince Harry souhaiterait ainsi convenir d'une réunion pour jouer carte sur table, appelant de ses voeux à une réconciliation avec son clan. Harry a été très clair et sa position n'a pas varié. Il ne viendra pas s'il pense que l'atmosphère sera aussi toxique que lors du jubilé de platine et des funérailles de la reine, ont déclaré des sources proches du couple. Cette réunion aura-t-elle lieu avant le couronnement, et si oui, quels efforts le prince William sera-t-il prêt à consentir? L'immeuble de la couronne britannique en dépend, et Charles III sera là pour le leur rappeler.